J'adore l'ambiance, je vois ton point. Merci. J'en avais vraiment besoin. Regardez la fille là. Elle me fascine celle-là. Elle me fait de l'effet, hein. Il me la faut. Je vais me la faire ce soir. Je te dis, mon gars. C'est bien beau tout ça, les gars. Ouais, c'est bien beau. Je suis d'accord avec. Mais et le devoir de demain? Ça là. Si on n'a pas triché là, on est mort, hein. Laisse tomber, mon frère. Laisse tomber. J'ai une recette spéciale pour lui. Mm-hmm. J'ai tout mis sur une disquette. Ouais. Donc demain, quand il arrive, il dépose les épreuves. Sera, hein? Je vous sors le truc là. Et puis on casse la baraque, quoi. Non, mais sans souci, sans stress, les gars. Sans stress. Faites des plaisanteries, vous. Ce n'est pas mon lieu que j'ai arrêté tout simplement l'école. Et puis. Je vis à l'aise maintenant, sans pression, sans histoire. L'école, c'est trop compliqué. Je vis maintenant aux dépens du deal qu'on gère en fait. Ok, à propos de business même, tu fais bien de le dire. Et ton gaou de benguiste là. Ce salaud là, ouais. Cet enculé là, je le bouffais comme un poulet. Ah, laisse quoi, le gars il est de l'eau, forcément. On vit comme des pachas. Pour le dire encore, on sirote les bièges qu'au petit matin, tu pars encore. Alors. Ok, on est parti là, c'est truc qu'on boit, on s'amuse, puis c'est fini. Ok, nous allons voir la maladie dite du siècle, le sida. Le sida. Que savez-vous du sida? Oui, toi Marielle. Le sida signifie syndrome immunodéficience acquise. C'est excellent. Oui, toi. On attrape le sida par voie sanguine. Cela peut se faire pendant les rapports sexuels non protégés. Et aussi par les seringues non stérilisées et les objets infectés. C'est bien. Pour combattre cette maladie, il y a les préservatifs, la fidélité et en tant qu'adolescent que nous sommes d'ailleurs, l'abstinence paraît la plus efficace des solutions. Très bien, Esther. Justo, boulet. Oh, on dit quoi? Oh, comment tu vas? Simple. Comment tu vas? Ok. Bon, je viens à peine de finir là. Je cherche à rentrer maintenant. Il y a un nouveau bar dans le quartier là. Vraiment, on m'a conté les merveilles de ce bar, hein. Les merveilles. Et ce soir là, ça va couler à flot les bières. Eh bon, écoutez, je ne peux pas aller. Vous savez, avec l'argent que je gagne ici, je ne peux pas me permettre cette virée nocturne. Hein? Et puis, j'ai trop de charges. Je vis avec mon petit frère Ovid. Et vraiment, si je ne passe pas la nuit avec lui, c'est pas bon. Juste, réfléchis-y. Vraiment, excusez-moi. Je suis désolé, mais on va mettre ça une prochaine fois. J'aurai l'occasion de vous inviter à la maison. Ok. Justin, c'est pas la peine. Pas ce gars. Mais c'est quoi? Il se croit très juste. Bon petit, voici de la cam. Vends-moi ça rapidement. Vieux père, j'espère que c'est mieux que la dernière fois. Hein. Je t'ai dit que c'est de la bonne cam. Donc, c'est de la bonne cam. Ok, vieux père. On se calme là. Fais attention, hein, petit morveux. Tiens, petit morveux. Ça pourquoi faire? Idiot. Mets ça sur toi, c'est ton jamais.
Celui qui te gêne, tu l'élimines. Ok. Ça, c'est du bon. J'ai peur. Bon, maintenant, descends, ma voiture. On y va. Pourquoi la nuit? Qu'est-ce que cela change? Que ce soit le jour ou la nuit. Bon, c'est simple. Je fais une commission. Ça te va? Oh oui. Cesse de te moquer des gens. Ah, arrête de dramatiser. Écoute, je m'inquiète pour toi. Je voudrais tellement... Tu voudrais tellement me garder sous tes ailes que tu es devenu mère poule pour moi. Je veux voir d'autres choses. Je veux quitter ce quartier. Je me sens étouffé ici. Tu peux chercher à étudier ou à apprendre un métier. Cela te permettra de dénicher un honnête boulot. Je ne veux pas finir ma vie sur les bancs. J'ai autre chose à faire, moi. Écoute, Ovid. Tu t'es informé du contenu de cette boîte? Pourquoi le ferais-je? Je suis payé, c'est le plus important. Mais c'est dangereux. Ça pourrait être une histoire de trafic de drogue. Ce ne sont pas des affaires, ok? Et puis, ça donne du piment à ma vie. Mais Ovid, tu sais, j'ai travaillé dur pour toi. Tu te souviens? Depuis que tu t'es... Oui, je sais. Tu m'as pomponné, tu m'as mouché, tu m'as nourri, tu m'as blanchi. Mais, Justin, tu n'as pas vécu ta vie. Je ne sais pas. Tu ne sors pas, tu ne vas pas en boîte, tu ne fais rien, tu es toujours là, tu vis tranquille ta vie. Tu as toujours été juste. Franchement, Justin, il n'est pas plaisant de vivre avec toi. Ovid, mon frère. Tu sais, je t'aime. Justin, je t'aime aussi. Ovid, fais attention à toi. À demain. Ok, à demain. Ah, Ovid, j'ai toujours travaillé dur pour toi. Et je l'ai fait par amour. Rien que par amour, mon frère. Si tu pouvais le savoir. Comme toujours, je t'attendrai. Et fais attention à toi. Il y a les vêtements tachés de sang.
Non, c'est trop facile tout ça. Mettez-vous à l'écart. La nuit est encore très longue. Grand frère, qu'est-ce que la police fait chez nous? Ton frère est un meurtrier. Il va payer pour ça. Allez, tu vas te mettre à parler maintenant. Allez, vas-y, parle maintenant. Avoue ton crime. Même pas le nier. Assassin! À cause de la drogue, tu as tué notre ami! Tu as tiré un policier! Dans l'exercice de ses fonctions! Ça mérite une prison à perpétuité! Arrêtez! Laissez-le! Unité 04, allez en position! Le maître a été capturé! Va en bas, position! Justin! Justin! Thank you.